Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Donc la dernière fois on s'en était arrêté, j'avais fait cet enclos, j'avais commencé à mettre ces animaux dedans. Je vais mettre en pause. Et j'avais commencé un peu à faire l'espace pour les animaux. Donc maintenant on va voir un peu, on va essayer de remonter parce qu'ils ont leur bien-être est bien trop bas. Et on ne comprend pas pourquoi. Alors social, eux, ils ont besoin. Alors, l'animal est affolé, stressé, et tente de se cacher. On va essayer de comprendre pourquoi. Optimisation alimentaire et ludique. Ok, effectivement, j'ai absolument pas mis d'optimisation ludique. On va aller voir dans la zoopédie si on a débloqué des trucs. Pour eux, non, on ne sait absolument rien sur eux. Ils mangent du foin. Du coup, on va peut-être faire des recherches. Ah bah j'ai balancé les recherches sur ceux-là. Sur les hippotrages. Les hippotrages, du coup, eux, il leur manque des optimisations alimentaires et ludiques. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les optimisations alimentaires? J'ai que ça? Et j'ai pas de jouet non plus. J'ai rien débloqué en fait. D'accord, au début on a rien du tout quoi. Ok, c'est chaud. Je pensais qu'on avait quand même un peu des trucs moi. Mais non, apparemment. Bon. Eh ben c'est cool. Ok. Du coup, alors là on avait notre stand d'information, là on avait nos toilettes. On décorera après quand on aura des sous parce que j'ai plus de 10 000, je crois que j'étais parti à 40 000, donc autant vous dire que là je pense que je ne peux même pas créer un nouvel enclos pour des animaux, je ne crois pas. Bon, on va voir ce qui va se passer. Ok, donc eux c'est bon, là on va leur mettre à bouffer normalement. Ok, lui nettoie les excréments. Ok, bon. On va baisser un peu son salaire. Juste qu'il soit content, mais pas plus. Hop, d'ailleurs, on va faire ça peut-être avec tous les employés. De nombreux visiteurs pensent que le prix du billet est bon marché. Bon, on va le monter un peu alors. On va le passer à 5 et on va le laisser à 3 pour les enfants. Hop. Ensuite, les visiteurs, ils ont un peu faim, ils ont un peu soif. Et oui, parce que je n'ai absolument rien créé pour leur vendre de la nourriture. Ah si, si, là j'ai créé un chief beef et un... Recherche vétérinaire terminée. Ok, très bien. Donc, oula, pardon. On va passer sur le Springbok un peu. Hop, dans le zoo. Là, on va aller voir le personnel. Donc là, on va le descendre à 1060 lui aussi. Celui-là, clac. Ah, ouais, lui, il a besoin d'un peu plus d'argent quand même. Tac, lui c'est bon. Juste qu'ils soient contents de leur salaire. Ah non, ils sont pas contents. Ok, agent de sécurité. Ok. Ok, bon, on peut pas descendre quoi. Ah, lui, on peut hop, 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 voilà. Comme ça, on fait un peu d'économie au départ. Zone de travail pour l'instant, on n'a pas défini de zone de travail, donc il travaille tous un peu par là. On définira des zones quand le zoo sera plus grand. Là, mes animaux, ils sont pas bien du tout. L'animal est stressé. Bien-être faible. Ouais. Un abri solide. Ah, il manque des abris encore. Ok. Il manque encore des abris. Alors on va encore en dupliquer un. Par là. Hop. C'est ça qu'ils veulent. Ah voilà, abri solide, c'est bon.
Environnement, c'est bon. Optimisation, bah là, ouais, j'ai rien, donc de toute façon, je pourrais pas les optimiser. Social. Social, ça remonte. Oui, j'ai acheté des nouveaux. J'en ai acheté des nouveaux, donc normalement, ça devrait remonter un peu. Taille. Patrimoine génétique. Ça, on s'en fout. Ok, ça devrait aller mieux. Voilà. On est mieux là. Ah non. Deux alertes, l'hypotrague. Ah, attendez, qu'est-ce qu'ils veulent les hypotrags? J'ai ramené des springbok. Ils ont besoin d'optimisation, mais ça, je ne les ai pas. Et les hypotrags. Stress. Social. Oula, ça descend social, comment ça se fait? Je ne sais pas. Gestante, déjà? Genre, ils vont me faire des bébés, quoi. Direct. Je comprends pas pourquoi ça descend, là. Sociabilité de l'animal moyenne. Ah, voilà, ils sont nourris, là. Ils sont bien. Peut-être qu'il a besoin d'autres hypotrag, je ne sais pas. Tout cas, son bien-être descend, du coup. Et eux? Ça descend aussi le social, comment ça se fait? Ils sont pas assez? Ouais, Mamou, Tito! J'aime bien ces langues à la Sims. Ouais, ils sont pas contents. Bah, ils viennent voir les animaux quand même. L'inspectrice arrive dans 2 mois. Là, ça va être. Ça va être l'horreur, ça. Pourquoi ton social est à zéro, toi? Population sociale. Zoopédie. Information. Taille du groupe. Jusqu'à un mâle et 10 femelles. Ah, c'est ça, il faut. Ah! J'ai peut-être trop de mal. Alors attendez. Zoo. Animaux. Ah bah les Springbok, j'ai que des femelles. Donc comme ça au moins c'est parfait. Et l'hypotrague, j'ai 4 femelles. Ah, il a peut-être pas assez de femelles lui. Peut-être qu'il me faudrait un mâle de Springbok. Qu'est-ce qu'ils en disent, la zoopédie du Springbok? Taille du groupe. Mâles territoriaux avec un harem de femelles. Et c'est exactement pareil pour le. Ok. Très bien, donc toi tu vas continuer pour le Springbok. Ah oui, il y a les maladies après à rechercher aussi pour. Il y a plein de choses. Alors, l'hypotrague, qu'est-ce que j'ai débloqué? Une optimisation alimentaire. Optimisation alimentaire. Alors, très bien. Donc, ça veut dire que maintenant, si je viens là. Non, pardon, là. Ah, voilà, boule à fourrage. Leur mettre une boule à fourrage, voilà, et ça je ne peux pas, et j'ai toujours pas de jouet. Ok, donc optimisation, ça a monté, très bien, et il faut que j'achète un mâle Springbok. Il n'y a pas de mâle là. Voilà. Et les hypotrags, il y en a d'autres. J'ai l'impression que les hypotrags, je peux en mettre plus. Hypotrag noir, filtre. Ok, il y a des femelles, donc très bien. On va en acheter genre 2. Hop. Hop. Clac. Qualité de détritus élevée. Quantité de détritus élevée. Voilà. Ah, il y a un.
Impact négatif sur les visiteurs. Ah oui, je sais pourquoi j'ai. Stop, stop, stop. On met pause. Il faut que je mette des poubelles. C'est où les poubelles? Utilitaire? Non. Poubelles. Hop, ah, des poubelles. Clac, on va mettre des poubelles ici. Peut-être pas devant les. Là. 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 Et surtout ici. Clac. Et. Je peux les placer où je veux ça. Hop, ici, voilà. Là, on a des poubelles. Poubelles de recyclage, ça change quoi? On peut changer leur couleur. Ah, oh, top. Je peux les mettre rouge si je veux. Ah, oh, yes. Bon. Ça change quoi, les poubelles de recyclage? Ils recyclent? On s'en fout pour le moment, non? Mais d'accord. Ok. Donc... Peut-être mettre quelques bancs aussi. Genre ici, vers le truc de nourriture. Là, vers le truc de où ils peuvent observer. Et ici aussi. Clac. Clac. Voilà. Là, pour ceux qui attendent aussi, leurs parents. Les parents qui attendent les enfants qui sont aux toilettes. Hein? Hop, voilà, des poubelles, on va en mettre un peu de partout. À la sortie des WC aussi, on va la remettre bleue par contre. Hein. On va rester dans le thème, je pense que c'était plus ce bleu là. Ok. Et là, ici. Hop, voilà. Ok, donc on va pour les détritus. Il va me falloir prendre un agent d'entretien. Si je n'en ai pas déjà. Zo, employé. Agent d'entretien. Touc. Hop. Oh, j'en avais déjà un. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends, un salaire supérieur. On verra plus tard ça. Touc, 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 touc. Ok. Ouais, Mamou, Pito. Allez, on n'est pas content, les animaux, ils sont enfermés. On est des râleurs, on n'est pas content, mais on a quand même payé notre entrée pour le zoo. Quantité de détritus élevée, ouais, je sais, c'est en cours. C'est en cours, vous inquiétez pas. Donc là... Ah, j'ai fait un défi. Avoir un bénéfice annuel de 2000. Ok, je récupère 4000$, très bien. Ça me va bien. Nombre de visiteurs, avoir au moins 300 visiteurs dans le zoo, je suis à 243. Adopter deux espèces de vivariums. Ah oui, il y a les vivariums aussi. D'ailleurs, les vivariums, on va peut-être pouvoir les mettre par là. Mais on verra un peu plus tard, peut-être. Oh, manifestant repéré, boum. Ah bah oui, mais bon, qu'est-ce que j'y fasse, moi, ils sont pénibles ces manifestants aussi. Hein? Plusieurs problèmes d'habitat. Ok, donc les hippotraques c'est bon. 6 alertes. C'est quoi les 6 alertes? Oui, elles ont besoin d'un mâle, je sais. Il me faut un mâle Springbok. Il me faut un mâle Springbok, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mâle Springbok. Là j'en ai pris deux de nouveau, je crois. Transférer ici. Ok. Et toi. Transférer ici aussi. J'espère que l'espace ne va pas être trop limité. Pour le moment ça a l'air d'aller. Ok. Donc ça. C'est bien, mais c'est vide. Est-ce que lui va le remplir, j'espère. Ok.
Recherche. Très bien, Springbok, ça continue. Niveau de recherche pour Springbok. On va continuer. Les maladies, on va attendre un peu, parce que je sais pas trop ce qu'ils peuvent attraper comme maladie. Et on va peut-être prendre du coup des vivariums. Là, on va commencer à créer notre espèce d'allée souvenir tout ça ici là, je pense. On va essayer de pas trop toucher aux arbres. Donc on va mettre une allée genre. Genre on va reprendre ces jolis cailloux là. Une allée de largeur 6 mètres. Hop, on va faire un truc genre pouf comme ça. Clac, 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 clac. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que par là, on va mettre des vivariums. Qu'est-ce qu'on a comme animaux sympas dans les vivariums? Un anaconda jaune. Ok. Ça peut être sympa, ça, non? Alors attendez, là en gros on va faire la zone Afrique, on a dit hein, pour le moment. Du coup, zone Afrique, on va chercher des animaux du vivarium qui seraient d'Afrique. Pas filtrer sur leur. Oh, le scolopendre géant là. À 13 500. Désolé, j'ai toussé. J'ai quand même coupé le micro au bon moment. Alors, elle a une médaille, donc c'est des trucs pas mal, ça, ceux-là. C'est pour ça qu'elle coûte un peu plus cher. Par contre, ça vient d'où? Moi, j'aimerais bien faire un truc. Il reste 2 minutes. On peut pas voir la zoopédie. Zoopédie. Ça vient d'où ça? Australie. Ah. On n'a pas des animaux d'Afrique là? Genre. Ah bah voilà, un varan du Nil. Parfait ça. Un varan du Nil. Ou une vipère heurtante. C'est cool ça, une vipère heurtante. Un titan non. Les araignées, là, elles viennent d'où? Pas beaucoup de trucs qui viennent de d'Afrique. Une recherche vétérinaire terminée. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Il y a énormément de grenouilles. Ah, la grenouille Goliath. Bah, peut-être qu'on peut acheter une grenouille Goliath, un escargot tigre. Alors attendez, échange de vivarium. Grenouille Goliath, escargot tigre, serpent brun, tiens, ça vient d'où? Australie encore, mais dis donc, il y a beaucoup de serpents en Australie, ça va me recharger tout? Non, c'est là que je voulais aller moi. Non, j'ai cru voir un mâle de. Non, il n'y a que des femelles, hein. Oh, quel enfer ce truc. Pire, c'est que c'est pour ça qu'elles sont pas contentes. Hein. Le titan. Il vient d'où le titan? Oh là là. Vivarium. Bon, moi je vais prendre une vipère machin là. On va essayer de prendre celles qui ont le plus d'attrait, genre celle-là. On va peut-être prendre un mâle et une femelle comme ça. Si je regarde dans la zoopédie. Information, taille du groupe hors jeune 1 à 5. Aucune domination, promiscuité sexuelle. Ok, taille, longévité. Retour. Ah, j'ai un hippotrague qui a eu des petits. Fantastique. Bah alors ça, on va prendre un mâle et une femelle. On va prendre ce mâle-là, adopter, et cette femelle, adopter. Voilà.
Très bien. Alors, déjà, il va falloir construire les trucs. Alors, récupérer les récompenses. Boum. 1000. Donc ça, on va le faire, le vivarium. Les bénéfices, points d'information. Avec les points d'information. Ok. Ah, mais les points d'information, ça coûte de l'argent. Nombre total d'objets. Points d'information. Bénéfices. Satisfaction. Pourcentage du client satisfait. Je n'ai pas les moyens de me payer quoi que ce soit chez Points d'information 1. Ok, prix. Un audio guide. Un pack d'adoption. Un pack d'adoption. Ok. Parapluie bleu. On va baisser un peu les prix, allez. On va mettre à 4,50. Bénéfice par unité vendue. On peut baisser, ouais. 4,25. On peut baisser à 4,25 aussi. Hop. Parapluie violet. 4,25. Parapluie rouge, on va le laisser plus cher. On verra comme ça, les gens qui sont plus chers, ils ont pris un parapluie rouge. Synchroniser le coût. Ah bah oui, voilà. De toutes les boutiques. Ah oui, bah oui. C'est mieux. Alors, pack d'adoption. Pack d'adoption économique. On peut mettre un peu moins là. Ça me coûte rien de toute façon. On peut mettre genre 6 dollars. Ouais, allez, 8 dollars. 8 dollars. Ah, je peux taper directement. Là, on va mettre 20. Là, on va mettre 40. Ouais, 40. Et les audio guides, ouais, 2,50, c'est pas mal les audio guides. Ok, allez, boum. On en remettra un autre. Parce qu'il y a l'air d'avoir la queue quand même. Hein. Peut-être qu'on va mettre un deuxième point d'information à côté. Ouais, il y a quand même pas mal la queue. Hein. Ouais, moi ça. Les gens aiment les audio guides. Oh, les parapluies verts aussi, ils aiment bien apparemment. Alors. Du coup, ce truc-là, on va le dupliquer. Carrément, tout de suite, maintenant. Genre, même juste à côté, là, comme ça, pouf. Et ça, on va le déplacer un peu. Clac. Voilà. Et donc là, normalement, on est au même tarif, hein, on est d'accord. Ouais, pas de vendeur. Il va arriver le vendeur. Ok. Donc, j'ai dit, j'ai acheté mes animaux. Il faut que je construise mes vivariums. Habitat. Non. Voilà. Recherche. Allez, vas-y, on continue. Bon, on va continuer, hein, tant qu'on y est. Notre veto, il fait de la recherche, là. Il est bien. Bon, alors, par contre, là, je voulais voir un truc. J'ai eu un bébé Springbok, alors. Ah, ils sont contents, eux, maintenant, c'est bien. Non, un bébé Hippotrac, pardon. Il est là, il est là. C'est un mâle. Oh non, c'est un mâle. Il va falloir s'en débarrasser. Il va falloir s'en débarrasser. Alors elle, il y en a une qui est super contente et les autres, que dalle. Comment ça se fait que eux ils sont pas contents alors qu'elle est pas contente? Ah mais ça descend. Ça descend à cause du social. Parce que je n'ai pas de mal. Il me faut un mâle Springbok. Voilà, mais ça vend pas de mâle Springbok. Hein. Actualiser la liste. Ah bon. L'animal est stressé. Ah bon. Social. Ça se fait. Je ne comprends pas.
Optimisation, ouais, bah ouais, je connais pas trop les trucs. Social, ça remonte. Je comprends pas pourquoi ça fait ça, moi. Ça monte, ça descend. Autant les Springboks, je comprends parce qu'ils ont pas de mal. Ça, je pourrais en rajouter une autre boule de forage. Parce qu'ils sont quand même beaucoup. Ils sont quand même beaucoup. Ah, une boule à poignée. C'est quoi ça? C'est bien pour eux? Cotrag noir, ouais. Ah, vas-y. Ça aussi, c'est bien pour eux alors. De toute façon, forcément, si j'y ai débloqué, c'est que c'est bien pour eux. On va essayer de les rendre heureux déjà avec les jouets qu'on va leur mettre. Donc les jouets, on va les mettre devant les visiteurs, comme ça. Les visiteurs, ils pourront regarder. On va essayer d'en mettre un peu par là aussi. Ça. Hop. Clac. Et ça. Par ici. Voilà. Est-ce que les enclos suffisent? Ouais, c'est juste, faudra en refaire, je pense. Faudra en refaire. Ok, l'hypotrague, il y va lui, hein. Vas-y, hein. Ça ken à tout bout de champ, hein. Ok. Donc, j'ai dit, moi, que je voulais faire des... Recherche vétérinaire terminée. Encore? Ah, vas-y, mais ça y va, c'est trop bien. Ce sera fini, là. Dès que ce sera fini Springbok, on passe à Hypotrag. Comme ça, on fait des bonnes recherches. Un habitat clôture est abîmé. Oh là. Springbok, une alerte. Appeler le soigneur, mécanicien. Il n'y a pas de mécanicien dans le zoo. Oh. J'ai pas de mécanicien dans mon zoo. Oh là. C'est où? C'est là que c'est cassé. C'est la porte qui est cassée. Comment ça se fait qu'elle est cassée la porte? Non? C'est où que c'est cassé? Non, non, mais je veux pas toucher ça en fait. Arrêtez. Arrêtez. Un habitat à des clôtures abîmées. Bah déjà, il va falloir prendre un... Il va falloir prendre un... Comment on appelle ça? Un mécanicien. Temps depuis la dernière visite. Un an. Un an. Tous les 6 mois normalement. Ok, alors mécanicien. Mécanicien. Personnel. Mécanicien. Boum. Ok, il faut une cabane pour le mécanicien. Ça doit être celle-là, je pense. Donc c'est bon. Il a son atelier. Ok. Fantastique, il va s'en occuper. Boum, on relance. Là, on met appeler le mécanicien. Voilà, et on est bien. On est bien. Un joueur en visite. C'est quoi ça? C'est un autre joueur? Ok. Très bien. Salut. Cool. Je l'ai salué, j'ai gagné 20. Vous avez salué le joueur et gagné des crédits de préservation. Ouais. Je suis content. Ok. Très bien, allez, on s'en fout. Bon, on a dit nos vivariums, services, non, habitat. Habitat. C'est bien là-dedans, non? C'est pas là-dedans. C'est où déjà? C'est dans les services? Ah oui, vivarium. Wow, 13 000. Ah ouais, 7 000. Ah ouais. Ah ouais. Ah mais c'est le truc prédécoré là. Ouais, voilà. J'ai pas besoin de ça pour le moment, moi. Pour le moment, je vais faire un vivarium à l'arrache. Pour le moment, on va faire un vivarium à l'arrache. Un truc comme ça. Paf. Ok, et ça, donc on va mettre des allées, on va s'aligner sur la grille de ça, et on va se mettre tout autour. Paf. Évidemment,
Ça ne passe pas ici. Évidemment. C'est dommage qu'on puisse pas remplir carrément les... les espaces. Oh merde! Par exemple, là, voilà, j'aimerais faire. Pas faire une allée, mais faire un. Voilà. Un, comment on appelle ça? Un truc plus large, quoi. Une place, en fait. Ça, c'est un truc, je sais pas si c'est possible d'y faire. En tout cas, j'ai pas trouvé comment faire. Support d'allée, pente courte, allée avec rambarde, alignement sur clôture. Je ne sais pas. Aïe aïe aïe, l'inspectrice vient dans mon zoo alors qu'il y a plein de manifestants encore. Ah non, ils sont partis. Fantastique. Ils sont partis. Ça c'est bien. Alors, ça, je vais y bouger moi. Ça me va pas ici. Ça ne me va pas. Pourquoi je peux plus y bouger maintenant? Je suis. Ça c'est pénible ça. Une fois que je l'ai posé, je suis restreint sur la grille. Attends, taille de la grille. Hop, 1 mètre, voilà. C'est un peu chiant ça. Si je veux y pivoter, je peux plus y pivoter. C'est pareil, ça c'est pénible. Replacer comme je veux. Je peux vraiment pas y pire. Je ne comprends pas. Oh merde, je l'ai vendu, mais quel con. C'est pas ce que je voulais faire du tout. Bon, attends, ça on supprime tout du coup. Alors, vivarium. On recommence, service, vivarium, du coup, on va le mettre genre... Ah mais non, ça me va pas moi. Attendez, on va enlever ces routes là, qui pour le moment m'embêtent plus qu'autre chose. Hop, et on va remettre notre vivarium tranquillement. Je suis sûr qu'il doit y avoir moyen de les faire tourner comme ça quand on les déplace, mais... Il faut que je trouve ce que c'est le moyen. Oh, manifestant repéré. Alors, ça, on va le mettre comme ça, par là, là. Par ici, c'est pas mal. Hop. Là. Là, je suis restreint là-dedans, quoi. C'est l'horreur, ça. Ok, là, je vais faire aligner sur la grille. On va faire un truc tout le tour comme ça. Voilà, maintenant je désectionne la grille. Je reprends mes allées de 6 mètres. Et là, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Clac. Voilà. Très bonne idée pour faire quelque chose ici, je ne vais pas vous dire, je vais garder la surprise. Enfin, on fera de toute façon, j'ai plein d'idées, mais ce sera quand j'aurai de quoi faire de la déco. Alors, vivarium, hop, 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 on va les envoyer dans le zoo, ici. Voilà. Donc là, on n'a plus rien. Eux, ils sont pas trop mal, mais le vivarium est pas comme il faut. On va regarder... Voilà, la température, elle est pas trop mal. 27, ce serait un peu mieux. L'humidité, on va en mettre un peu plus. Voilà, 70%, c'est cool. 28 degrés. Voilà. Les fenêtres. À quoi ça ressemble? Façade 3D. Bon, on va en mettre une façade quand même. C'est sympa.
j'en mets deux. Que je mets une autre façade 3D. À quoi ça ressemble? Ah, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment cool. Ça irait mieux ici en fait. Ça irait mieux. Là, non, là. Avec une façade 3D, voilà. Comme ça. Ok. Donc les animaux, ils sont pas mal. L'installation, bah, pour le moment, on n'a pas ce qu'il faut. Climat, on a ce qu'il faut. Là, là, là. Finance. Ah, j'ai pas assez d'électricité. Ah, zut. Ah, zut. Ah bah si, c'est bon. Ah bah si, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Recherche. Ah oui, recherche vétérinaire terminée. Springbok, youpi! Là, on va chercher pour cela. Ok, donc ça, c'est terminé maintenant. C'est quoi ça? Donc là, j'ai débloqué toutes les optimisations, tous les machins. Donc maintenant, on devrait pouvoir les optimiser un peu mieux. Les Springbok. Alimentation. Qualité du dernier repas. Eh oui, évidemment. Donc peut-être que maintenant, je peux améliorer la qualité ici. Je sais plus comment on fait. Choisir habitat. Je ne sais plus où c'est. Ah oui, voilà, qualité. Qualité 2. Voilà, on va bien les nourrir. Habitat. Là, j'ai dû débloquer des nouvelles. Ah, voilà, une mangeoire suspendue, une mangeoire tonneau. C'est quoi ça? Paf. Voilà. Ils vont être contents. Ils sont un peu pénibles ces manifestants là. Je peux pas mettre. J'ai pas un service de sécurité là. Mon agent de sécurité, il peut pas aller virer les. Qu'est-ce qu'il fait lui? Celle du personnel est trop loin. Oh, mais c'est vraiment des feignants ces mecs. Ma gueule, elle est là. Non? Non, c'est cette zone de quarantaine. Elle est là, la zone du personnel. Quoi, t'as ça à faire là? Ça y est, t'es fatigué? C'est vraiment des feignants ces mecs. Ok, alors là j'ai dit. J'ai fait les recherches sur l'autre, sur l'hypotrag. Il faut que j'ai un deuxième animal dans une verrière. Dans un vivarium. Allez, mais on peut pas avoir des springbok mâles un peu. Moi je veux des springbok mâles. Ok. Là on a dit qu'on voulait faire aussi. Un truc de souvenir. Boutique de souvenirs. C'est ça là, c'est le truc de ballon, Looney Bloom. C'est juste décoré, moi je m'en fous, je veux pas que ce soit décoré, j'y décorerai plus tard. Quand j'aurai un peu d'argent. Alors, ici, on va mettre une boutique de souvenirs par là. Là. Voilà. Il faut aussi que je mette. Que je remette des poubelles. Par là. Et par là. Hop. Il faut des poubelles de partout. Ok, le bien-être des animaux, ça commence à aller un peu mieux. Ils sont un
un peu plus content là. Je trouve que c'est déjà sympa mon petit abri là. Mon petit enclos, je veux dire. Peut-être qu'on remplacera ça par autre chose après, plus tard. Enfin, pour le moment, je vais essayer de faire un zoo rentable. Et par la suite, parce que là, c'est un peu tout plat, moi, ça me plaît pas trop. Donc là, on va essayer de faire un zoo à peu près bien, histoire de se faire la main, histoire de gagner des ressources comme ça. Bon, de gagner des sous aussi. Je sais pas si on peut transférer notre argent, si cet argent est valable dans les autres zoos qu'on va commencer. On verra. On verra. Donc déjà, on va se faire ce zoo à peu près sympathique qu'on décorera plus tard. Même s'il est tout plat. Après, on essaiera de faire un zoo un peu. On essaiera de voir si on peut pas avoir une map un peu différente. Parce que c'est vrai que là, ça me déprime un peu tout ce plat là. Moi, j'avais envie de faire des trucs avec des chemins en hauteur, des trucs, des vues et tout. De nombreux visiteurs pensent que le prix du billet est bon marché. Ok. Vas-y. On va monter le prix alors. 5. On va passer à 8. Pour les enfants, on va passer à 5. Ok. Encore, mais c'est pas possible, mais elle m'a fait combien de petits hippotragles? J'en ai deux là déjà. J'en ai déjà deux, non? Ah non, c'est Springbok. Attendez, faites voir. Zo. Oh, ça fait déjà 40 minutes que je tourne, putain, j'avais pas vu, je croyais que ça faisait une demi-heure. Animaux. Ils sont où les bébés? J'en ai qu'un bébé. Ok, c'est un mâle. Lui va falloir le vendre direct. Recherche vétérinaire terminée. Ok. Continuer. Je suppose qu'on peut faire de l'échange d'animaux après quand on a différents zoos. Là ils en sont où? 82% de l'abri solide, c'est bon. Eux, 74, ça va. Ça passe. Optimisation, bon, 100%, c'est cool. Donc là ils sont heureux. Leur social est bien aussi. C'est cool. Il n'y a que lui qui est pas content. On va savoir pourquoi. Tant pis pour... Enfin elle plutôt, tant pis pour elle. Hop, l'animal est stressé. Ouais, bah j'ai vu, mais je sais pas pourquoi. Dois avoir besoin de Ken, sûrement. Ah, ça c'est stylé. Alors là, on peut, je sais, voilà, modifier les couleurs de la boîte. Je sais pas ce que ça change ça. Oh, il neige, c'est quoi ce délire? La couleur de la lumière. Bleu, non, plutôt jaune. Jaune, vert, jaune ou rouge. Un petit jaune un peu, c'est pas mal. Ça fait pas beaucoup de lumière quand même. Mais jaune, c'est pas mal. Un jaune, c'est pas mal. Hop, voilà. Waouh! Ouah, ils ont froid là, c'est ça. Alors attendez, pause. Pause, pause, pause. Bien-être social. Stress. Je suis tombé sur celui qui est stressé direct là, non? Habitat. Température, terrain. Ouah. Ok, donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller mettre des chauffages. Chauffage. Alors, donc on va en mettre un. Alors, j'ai créé mon truc vraiment pas mal, je trouve. Je vais en mettre un par là. Je vais en mettre un par ici. Et un bah, par ici du coup. Par là. Hop. Ok.
Ok, et donc ces trois chauffages là, on va les régler à 30. Je sais plus c'est quoi leur température, ça doit être plus que ça. L'herbe courte, elle reviendra. Où c'est qu'on voit la température pour elle? Température. Il fait trop froid. Non mais d'accord, mais dans la zoopédie. Non. Ouais, bon, j'ai tout débloqué là. Ben, on va leur mettre 30 pour le moment. Puis on verra plus tard. Eux, ils sont dans leur vivarium, donc normalement, ils devraient pas y avoir de soucis. Voilà, ça chauffe. C'est limite quand même, hein. Ouais, c'est limite la zone, attendez. Ça, on va le déplacer. Ah, il y a un truc déplacement, rotation complexe, j'avais pas vu. Attends, ça, on va le déplacer plus par là. Est-ce que ceux qui sont dedans, ils sont bons? Ouais, ça va. Ce serait bien d'en avoir un par là quand même de trucs là parce que chauffage vers leurs habitats là. Comme ça. Ok, pareil à 30. 30. Ok. Oui, s'il fait moins 4, ça caille effectivement. Les visiteurs, ils se payent les couilles. Ah oui, il y a ça que j'ai oublié de faire. J'ai oublié de mettre pour mon habitat. Je sais plus où c'est. Service aux visiteurs. Non. Là, support d'éducation. Voilà. Panneau éducatif sur l'habitat. Non, moi je vais plutôt mettre des panneaux comme ça. Pas au-dessus des poubelles quand même. Hop, on va en mettre un par ici. Paf. Et donc sur ce panneau, on va mettre les hippotrags. Et on va mettre un panneau ici. Sur. Les Springboks. Voilà. Oh, c'est stylé ça. Et donc là, on peut avoir un truc sur. Ou pour le mettre devant. Pour le mettre devant. Hop. Clac. Voilà. Et là. On quitte ça, on prend ça et on met vipère heurtante. Ok. Point de présentation des animaux. Une salle du personnel accessible. Ah, elle a pas assez de. Là, c'est trop petit cette salle. Personnel. Bonus du personnel, les objets sont moins facilement débordés. 100 par an. Je peux prendre tout si je veux. Ah mais d'accord, ils ont. Ouais, ok. Donc ça. Faut que j'y duplique. Bon, on va y mettre à côté. Hein. Hop. Voilà. Ah. Combat dangereux. Ah oui, ça y est, ils sont adultes. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que
Lui. On va le relâcher dans la nature. Ouais, relâcher. Pouf. Ouais, j'ai relâché un animal dans la nature. Ça s'en fout. Avoir au moins 700 visiteurs. Ok, ça on verra plus tard. Je dois en avoir un autre encore. Il n'est pas encore adulte. Tant mieux. C'est un mâle aussi. Ils aiment bien faire des mâles, hein. Et j'ai toujours pas de Springbok mâle. Ah, page suivante. Allez, non, toujours pas de Springbok mâle. C'est rare, ça dit donc, les Springbok mâles. Ah tiens, lui, il a... Elle a gagné une médaille, non? L'animal est stressé. Ouais, bah ouais. Je pense que t'as envie de ken, hein. On est d'accord là-dessus. Mais le truc, c'est que j'ai pas ce qu'il te faut. Recherche terminée. Ok. Bah, continue. On va peut-être passer sur un peu les vipères heurtantes là. Pour améliorer ça. En fait, je pense qu'on va essayer de se faire ce zoo pas mal, essayer de tout débloquer. Comme ça, après le prochain zoo, eh ben, on n'aura pas besoin de se faire chier sur les recherches. Enfin, si ça marche comme ça. Ce serait bien là de pouvoir quand même designer les zones de. Les zones. Les allées, quoi. Genre vraiment mieux que ça, quoi. Prendre un coin, là, le tirer, agrandir, faire une. Une petite place, enfin. Encore des petits? Oh là là, mais. Ils arrêtent pas, eux, hein. C'est stylé, on les voit, les serpents, là. Ils sont là. Oh là, mais j'ai oublié d'arrêter, putain, mais. Voilà. Dans ce genre de jeu, j'arrête pas de. Il y a toujours quelque chose à faire et j'arrive pas à m'arrêter. Ok, bon allez, faut que absolument que je mette fin à cet épisode cette fois-ci. Donc, bah écoutez, moi sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play sur Planet Zoo. Allez, salut à tous, ciao!